ton âme, et une zone qui est ouverte pour pouvoir développer en temps dans ton sel, pour que on s'abandonne et qui mène tout. Et basé là, et qui va être guidé comme des civils, et côté que les CDJ et tout qui vont aller de recherche, côté que il y a recherché négativement, et peut-être demander à tout qui a aidé, que ce soit mon niveau population, même condition policière et tout, et on somme de 10 millions de gouttes, et on somme nos téléphones qui est là, et qui nous suit, qui met en titre justement, quand j'ai eu 4 ans d'appel, et pour que nous sommes capables d'avoir. Et tenter ça nous dit là tout à travers nous et puis tout pour capable tout et avancer avec c'est 29 48 14 14 29 95 14 14 29 98 14 14 et 29 99 14 14 et là tu nous répondes nous ça aussi 4 millions 29 48 14 14 29 95 14 14 29 98 14 et 4 euros et qui pratiquement ménage pour que nous capables d'établir contact avec le monde justement qui a aidé nous et même des policiers et tout avec ceux qui maintenant et la connaître et qui était l'homme innocent et conduire dans la justice. Plus de détails sur l'opération ça, mais concernant la vie de recherche là, il y a un monde qui peut bailler la police information parce que yo dit le yo pas information bandio et on est ça yo dit la police ou on de ça on est que les situations pas peur que nous n'a capable de tenir la et nous t'en dit ça effectivement par le test nous on parlait de ça et là tout nous on sait que faut être confiant dans l'institution et nous croyons que nous déboussons nous travail pour que nous capables et créer confiance ça pour une population et tout on manque de confiance en la population policière mais capable de créer des problèmes et qui va profiter de ça c'est des bandits et beaucoup de temps nous devons donc la paix travail de manière pour que nous capables et mettre une confiance à et tout à fait à des écarts au niveau de la police notamment au niveau social il y a toujours compris ça pour que nous puissions une correction mais ensemble de nouveau ça que nous n'allons pas de nouveau ça pour une balance pour nous capables de population pour chez nous et l'autre pour la population et les policiers tout pour chez nous et pour que nous capables de parler ensemble pour que nous avons des mains et dans la collecte et tout de l'homme qui lui-même est impliqué dans plusieurs actes et a déjà et notamment intégré sa culture de la police. Unité, plusieurs blindés déployés pour nous et aller dans la base Vitilhomme, opération finie très tard hier soir. Pour qui bilan? Alors, on ne connaît pas pour le moment à des sons bilan exactement de ça, mais ça est important, c'est d'abord et arriver un peu de côté et ça reprend du temps pour nous-mêmes. Par exemple, nous prenons une base esprit là, dès que nous voyons de plusieurs masses, c'est une dame pour ça qui entreprise dans l'endroit où d'ailleurs il fait, les policiers ont été très motivés et nous profiter justement en antenne et la bataille pour nous présenter. Et complètement nous, félicitations au commandement, et notamment au commandant-chef de l'administration concernée, à un policier salon qui pratiquement, qui n'a pas dans toute une de spécialisée, qui pratiquement mettait en quatre, et une conversion pour une effort, une détermination pour que nous devons arriver à travers ça, pour nous permettre justement la population, la mission, parce que depuis longtemps, les populations ont souffert de l'ensemble des bandits. Et nous avons une population longue et nous connaissons qu'au niveau de l'armée nationale, et malgré tout l'effort que nous faisons ensemble, et même nous connaissons une vitale situation. On voit les gars un peu partout. Et je vous dis tout à l'heure, sur une station de la police, un peu partout. Là, nous SOS, là, nous SOS, ça m'a dit vraiment une mobilisation de tout matériel, tout équipement, également tout le personnel. Et pour faire ça, c'est vrai qu'au niveau de l'Ontario, nous avons pratiquement une continuité. Et tout équipement, nous, matériellement, et cap nous, les zones ça pour que nous soyons capables de permettre, capables d'arriver et éclater, pour pouvoir même éradiquer de l'Ontario, et de l'Ontario, et de l'Ontario, et continuer de la justice.
commissaire Desrosiers, généralement, il reproche la police de Sambral Joulala dans le cadre d'opération Sayo. La police, on arrive dans l'espace côté gang yo, la police Gouma gang yo, mais après ça, la police fait back et gang yo même. Il fait représailles et c'est population civile la zone qui paye ça. Je dis à la, on a parlé là, le matin lundi 6 février 6h39, est-ce que la police toujours dans la zone côté vide l'homme à la M. Yocantonea ou bien la police de Yomeli encerclée? Dis-nous qui est la situation là, ou bien la police juste rentrée au Berkay. Et moi, après cette qualité de question là, je comprends que lui, il a fait stratégie là. Il a fait difficile publiquement pour que nous exactement. Et qui côté des forces de police, et que ce soit une présence de policiers dans l'uniforme, que ce soit une présence qui est en uniforme, elle est vraiment difficile. Et sinon, et c'est tout dit. Et alors, nous disons que nous sommes détention, mais nous sommes dans le cadre du gouvernement, mais nous tenons compte de en considération de la population, et par rapport à ce que vous dites, que la police se soutient dans un an, mais nous ne sommes pas mais ça, c'est tout à l'heure, c'est une attitude sécuritaire qui tout au système. Et Macron est avec nous pour que nous puissions maintenir, parce que l'autre est des zones géographiquement en train de côté, en temps de nous faire vivre, c'est pour qu'il y ait abandonné, et pas de courant, pas de route. Mais je ne peux pas qu'à nous tout, et pas exposer les vies de policiers là-dedans. Mais nous tenons compte de notre action, de côté, et justement, par rapport à notre côté, et nous avons pu aller de manière que nous puissions aller. Mais pour qu'on ait que Jean Doula et tu as gagné un voice qui était à circuler BG, CNR, qui était en détresse, qui t'a demandé pour la police camper sur l'opération. Appel ça pas affecté l'opération, effectivement. Pour une équipe justement qui est là, qui a tendu toute sa carte passée sur les autres, parce qu'en même temps, on doit aussi toute une mobilisation. Et ça nous gagne des responsabilités de ça, on est tâche et dans le travail, dans l'opération ça fait nous maintenir au niveau des gendarmes, et oui, et pour ce voir ici, on donne tout au niveau de l'éducation de la langue, et tant pis pour voir ça, mais tout qui est en fait, d'abord, il faut une classification, et voir ça d'abord, et pour vous prendre des mesures à vos pays. Et un avion de force armée canadienne qui était survolé et ciel le pays d'Haïti. Et l'information a fait quoi que l'avion ça est venu en soutien à la police nationale d'Haïti. Et si c'est possible, dis-nous dans quel niveau la collaboration et même l'idée entre force ça à travers l'avion ça et la PNH pour l'opération SILA de manière spécifique. C'est une grande question, qui a plus d'importance, mais encore une fois, et à nous mettre au niveau stratégique de préférence pour que nous participions, mais là, et nous avons des collaborations avec nos partenaires internationaux. Est-ce que l'opération a fini? L'opération est finie. Oui. Non, après, est-ce que l'opération a fini? Opération maintenue, tapons vers Zonda. Tapons vers Zonda, c'est un monde de l'État. Alors, manquez au printemps, vous. Et alors, ma parole, vous-même, demandez est-ce que l'opération, ça a été finie? Et j'aime de douleur sur l'opération maintenue, et sur l'opération qui va détruire pratiquement aucunement, et c'est des chefs de combat, et nous, abrutés, pour que vous capables d'appuyer, pour que vous capables de continuer le combat. Qui met plus, c'est-à-dire que son opération capée et continuée, mais nous apprenons, et dans le lieu où nous sommes arrivés hier, nous fait bac. Et il y a un témoignage qui dit que Bandiyo a refouillé tout yo encore côté la police était bouchée pour qu'il était rentré. Nous avons retenu de ça? Il y avait de l'homme bloqué pernier depuis la 17 là, la boule de caoutchouc, et puis mettait gros camion dans la route là. Et pourquoi nous avons un cadre d'opération et il y a des analyses qu'on fait et il y a tout l'aide que nous
mouvement d'opération ouan, parce que à son amour avec de moutier armé, et de moutier lourd de marmé, il faut que nous tenions compte de ça au gain pour matériel. Et pour nous-mêmes, les mêmes gens que nous-mêmes analysons, les mêmes sont à déployer. Mais pour y aller, c'est nous-mêmes, justement, au niveau de la police, qui ont de l'ordre, que les populations ont fait confiance, les populations ont payé, justement, et pour nous arrêter, pour nous détenir, les populations, et l'année est extrêmement importante pour que nous mandions la population, comme toujours, et encore une fois, la société, et la toujours de l'hôpital tout le temps, et collaboration dans le type de travail que la police a fait. Parce que le travail que la police a fait, c'est pour permettre ou même qu'à côté de la radio qui arrive là, ou même qu'à côté de l'autre radio, même qui est dans la population, hein, qui est victime du monde sérieux. Et c'est une victime. Je n'ai pas victime. Ça m'est victime, mais il faut que nous, côté collaboration, que nous avons fait et nous demander plus encore, de manière ensemble, pour que nous sommes capables d'arriver à travers ça et permettre au fur et à mesure, pour capable de sortir du mouvement d'activité. Commissaire Gary Desrosiers n'a pas appelé aussi pour parole du national d'Haïti a confirmé ou bien infirmé ça pour moi. Moi, apprendre qu'effectivement, force audio dans la base vite l'homme dans le niveau Pernier à Torsel. Mais à un certain moment, il est obligé de faire back parce que vous voulez blackout, pas de bien courant. Dans la zone, ça qui nous mettait en difficulté pour les consignes d'opération. Vous êtes capable d'infirmer ou bien infirmer ça pour moi, s'il vous plaît? Et au niveau opération qui est très sensible. Il est très difficile pour que nous soyons capables de gagner au public. Mais encore, on a préféré nous à la question de sécurité, à qui passe simplement la police comme acteur, la police effectivement, c'est un acteur carré, mais pas seulement lui-même. Et parce que bien d'autres pays, soit permettre que moi, capable de faire un petit compte d'écart, et c'est parce que bon, ça me dit bagaille bien déjà. Et puis, on a dit à des routes, des courants, et tout le site qui l'a fait travailler par eux, et puis, là, ça permet que la police n'est pas plus facile de mettre dans les rats. Mais, j'en doute aussi que vous avez un placard, qui est côté, c'est pratiquement des liseurs liés, et là, on peut faire une police pour d'abord protéger les questions, et protéger tout matériel qui a pu utiliser, hein, de manière que nous-mêmes, nous sommes capables de faire travailler. Et ça fait comme encore une fois, et nous disons que, et toujours la population, même toute population, soit une bande de la sécurité, ça fait une affaire avec lui et avec toi, tout secteur qui n'enchaîne pas. L'opération Sayo nous aider de l'armée, surtout le NAP intervenu pour nous craser de murs. Et dernière opération, ça nous fait là dans le Pernier, qui supporte une dégaine de l'armée. Et tout ça qui gagne en termes de tête, en termes de support à PNH là pour permettre qu'à tel objectif, probablement qu'il fixe Sayo, et suivant élaboration de l'opération qu'il gagne. Est-ce qu'il était fait avec l'armée? C'est ça, Mando. Oui, mais pas l'équipe de Tayo. Pour ceux qui connaissent, nous avons fait tout le travail comme d'habitude. Probablement, comme d'habitude, nous avons justement de l'appui au niveau d'Angel Ouyo, au niveau de matériel, et nous avons fait un support. Bonne parole, et bonne partage à vous quelques préoccupations des citoyens qui disent la police a fait opération, il faut qu'il y ait des torselles, il faut qu'il y ait un char ou un backup derrière l'académie. D'ailleurs, le citoyen dit hier, la police a traqué Bandi, il a passé derrière l'académie pour aller tomber dernier. Il y a une quinzaine de jeunes garçons avec sa patte dans le pied, valise dans le dos, ou manche longue dans le maillot qui passait hier des académiens pour aller pernier, torselle ou bien petit troupeau. Donc, est-ce que la police a tenu compte de situation sérieuse, de zone sérieuse, zone stratégique pour que empêcher M. Yo sauver qui était espace côté OTI? Et mon ami, bienvenue, justement, et à chaque opération, depuis l'opération lui-même est capable de sentir un peu mentalement, et nous toujours faisons une pour que nous tenions compte de considérations, et si nous avons des failles et des côtés, que nous sommes capables d'aménager dans sa région, nous avons travaillé de ce côté-là. Et nous avons des voix, et nous quittons ça, et c'est certain que l'autorité doit aller couper pour que nous avons pu tenir compte de ça. Et ça nous l'a, et ça nous l'a encore pas compris. C'est ensemble du matériel que nous avons optimisé pour que nous avons pu arriver et faire opération ça.
l'autre message encore qui peut-être qu'a aidé la police. Les amis, ça dit pour qui ça allait la police a fait opération peignée ou pas à cerner des gros gens, bêtiviers, doko pour empêcher et sauver. L'autre gros gens, c'est exit des bio pour évacuer les opérations peignées. Le jour samedi, il y a quelqu'un qui est dans la KLE, les bio ont occupé la zone depuis 5h et 3h. Na matin. Et les dit tout que c'est pas opération ça qui a bail résultat, les pas attaqué Negros Pernier, ils ont monté gros Jean Métivier Doko. Tout le temps, par une synergie qui déployait dans l'espace géographique, monsieur Yo, les a pas attaqué Neg Pernier et ils ont pas quadrillé gros Jean Métivier Doko, Neg Yo a pas toujours en force. Donc, c'est un message aux auditeurs qui peut être capable d'aider la police nationale d'Haïti. Pour parole, c'est pas une question. Je vais vous donner une précision. Dans l'avis, dans l'argent que nous offrons, peut-être VTL, qui c'est 10 millions de gouttes avec des numéros de contact que nous baillons, moi, nous dit, moi qui ai information à policiers. Est-ce que ça veut dire que policiers sont concernés par moyen ça qui ont été disponible là? Donc, si un policier lui-même lui bat information, bien lui permettre que vous arrivez sur VTL, là, bien, oui, comment ça? Justement, le temps. Qu'est-ce que l'air, et j'en déclenche exactement pour ça. Quel numéro est votre parole? 29-48-14-14, 29-95-14-14, 29-98-14-14, 29-99-14-14. Allez, votre parole. Et tournade 1, jusqu'à présent, toute opération qui fait la dernière, fait en direction vite. Alors, est-ce que opération ça, les visées, craser seulement, gaz, base craser, craser l'amphifère et éviter l'amphifère. Justement, les visées, tout quoi, et tout côté, et généralement, tout bas. Et tout ça, là, pour ça, en termes d'opération, et tout entraîne dans les cadres et mobilisation, bien, pour ce qu'on a fait. Et opération a fait là sous vite l'homme a continué, mais et ben nous on premier bilan de tornade là. Alors vous pouvez dire ça et vous pouvez penser qu'on a été juste après nous vous parler de côté là, mais c'est une coordination avec la police, le président est disponible avec tout justement pour garder et pour partager avec auditeurs et auditeurs. Mais normalement, c'est parce que nous faisons, mais comme nous avons entendu ça, et ça va être conséquent, c'est que nous avons retourné en force, monsieur. Ça sent bien votre parole. Ok, d'accord. Alors justement, et dernier, moi, plutôt, féliciter tous les citoyens qui font considération comme problématique concernant une zone qui est pas du niveau et zone pour celle-là. Et ça montre justement les soucis, justement, pour l'évaluation et citoyens et tous les citoyens qui ont pile d'informations, bien pile et conseils, justement, pour arriver et bail à la police nationale et nous très ouverts à conseiller toujours et pour m'aider de partager des considérations avec les journalistes là, de manière pour que nous n'avons pas de bureau, mais pour que nous n'avons pas de bureau et pour que nous n'avons pas de travail normalement et sans problème. Merci à votre parole. Je suis Lydia Alexandre Pierre-Modelle-Moudi. Moi-même, personnellement, pour l'instant, je garde de tout commentaire sur l'opération. Ça m'a suivi toujours. Je suis en train de faire ça pour la DIA, donc l'opération est maintenue. Moi-même, je recueille des informations. Donc, moi, ça m'a le monde qui est impliqué le peu ou de loin dans sa capacité. Là. Moi-même, je gagne et l'autre, moi, je même regardé. Comment l'opération ça a déroulé. Et je ne vais pas dire que je ne pas qu'être un peu film ça déjà, parce que moi-même, je suis là comme journaliste qui a une certaine responsabilité pour m'a pas craché son effort que l'institution police l'a fait, alors que c'est moi-même, ensemble avec de l'autre monde, qui toujours relé derrière eux pour dire qu'il faut que vous des signaux, il faut que vous preniez responsabilité avec peut-être un faible moyen que vous gagnez, il faut que vous commencez par. Montrer que vous voulez combattre le grand banditisme dans le pays. Donc moi-même, moi, je bah, la police bénéfice du doute que Tornade 1, ça n'a pas abouti à quelque chose. Et pour l'instant, moi, je marche de près. Parce que hier, les mappes ni ou ensemble de messages que je vois, c'est comment monsieur a pas pensé. Et la place vide l'homme, bon, finalement, base vide l'homme, ça, c'est vraiment une base que vous allez de lit pour passer. Pour j'aime déjà d'un côté proche. Et monsieur vide l'homme, mais les maintenant des votre parole la matière, moi encore sceptique. Même pas vrai, il vient parler de lui, vous êtes capable de dire la chose à. Nous vous remercions.
Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons nous pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre. Et qui sont plus tôt. Créole Promo, sans en souffle. Ciao.